Je m'en veux d'abord dire que c'est sur instruction du président du parti du mouvement pour la démocratie et les libertés que nous avons organisé aujourd'hui un atelier qui porte sur l'actoire de la décentralisation. Et cet atelier est un moment important qui permet aux jeunes du parti du modèle à Saint-Louis de s'imprégner de cette notion de base concernant l'octroi de la décentralisation. Nous avons ensemble essayé, par rapport à un exercice pédagogique, de revenir sur les trois temps de l'action de décentralisation au Sénégal, notamment l'acte 1 de 1972. Nous avons expliqué les contextes dans lesquels cet acte a été pris, mais également l'idée galvaudée, c'était la notion de collectivité locale pour faire aligner les zones rurales aux zones urbaines, qu'il y ait au moins une interdépendance entre ces deux entités administratives isolées, mais également permettre aux villages et populations rurales d'avoir une meilleure organisation dans leur vie. Cela dit, il y a eu entre-temps des difficultés liées à la sécheresse, aux politiques d'ajustement structurel. On est passé à l'acte 2 de la décentralisation qui portait le nom de la régionalisation. Également, ici, il s'agissait de faire des réformes à la fois administratives et institutionnelles pour voir en quoi amener de l'avant nos institutions au Sénégal. Nous avons également expliqué ce processus du deuxième acte de décentralisation de 1993. Et aujourd'hui, nous avons insisté sur l'acte 3 qui est en gestation. Et naturellement, nous avions expliqué que nous sommes dans une marche irréversible vers la décentralisation et que cette décentralisation tournait autour de certains objectifs que nous avons rappelés tout à l'heure. Il s'agissait par exemple de dire qu'il faut aujourd'hui un meilleur ancrage territorial, qu'il fallait harmoniser les stratégies, qu'il fallait également renforcer tout ce qui est cohérence territoriale, qu'il fallait réduire les disparités régionales, qu'il fallait également qu'il y ait une meilleure ventilation de l'économie au niveau des zones. Et naturellement, aujourd'hui, on a vous dit tout simplement que l'acception géographique du terme territoire est aujourd'hui dépassée et pour intégrer la notion de pôle de développement. Mais naturellement, cette perception de la notion de pôle de développement, il fallait dire aujourd'hui aux jeunes que nos communes aujourd'hui rencontrent beaucoup de difficultés liées naturellement à un personnel qui peu approprié parce que n'ayant pas la compétence requise de mener à bon port les politiques communales, mais également l'absence de convocation d'assemblées régulières, ne serait-ce que des assemblées régionales extraordinaires quand il y a par exemple des situations difficiles comme les inondations, ça se passe pas, mais on essaie de reporter ces questions au niveau de certains politiques, ce qui pose problème. Donc autant d'autres questions qui aujourd'hui font qu'il y a des difficultés au niveau de nos communes, par exemple également l'assiette de recouvrement qui est limitée parce que tout simplement on n'a pas essayé de développer d'autres mécanismes beaucoup plus intelligents pour avoir une meilleure assiette de recouvrement, mais également certains montants qui sont détournés dans la gestion communale qui passent par des tiroirs autres que les tiroirs des populations, autant de situations aujourd'hui qui montrent qu'il est nécessaire que l'on revienne à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, les populations
population au niveau de leur quartier vont réfléchir sur les besoins de leur quartier, quantifier ces besoins et essayer de les remonter au niveau central, c'est-à-dire au niveau de l'appareil des décisions. Donc, c'est salutaire, mais il fallait aussi faire comprendre ces mécanismes à nos jeunes. Et donc, aujourd'hui, nous avons regroupé nos jeunes leaders des 33 quartiers de Saint-Louis autour de ce thème. Mais naturellement, dans les prochains jours, dans les 15 prochains jours, nous allons faire un autre séminaire qui va porter sur le processus électoral et d'autres séminaires vont venir. Parce que nous pensons aujourd'hui que ce qui est important par rapport aux populations, ce n'est plus dépendre des populations comme des moutons de panurge. Ça veut dire que la politique du 1000 francs du t-shirt doit être bannie au Sénégal. Il faut aujourd'hui une meilleure conscientisation de la force réelle de ces pays. La force réelle de ces pays, c'est cette jeunesse. Il ne faudrait pas dupliquer, il ne faudrait pas reprendre ces mauvaises habitudes chez les jeunes. Ça, nous serons debout pour combattre ces mauvaises habitudes. Il faudrait que les jeunes se prennent en charge, il faudrait que les jeunes aient une autre orientation par rapport à la politique, parce qu'aujourd'hui, ce dont il s'agit, Saint-Louis va mal, Saint-Louis va très mal, il faut faire en sorte que Saint-Louis vive mieux. Justement, M. Gueye, au moment où on parle de l'acte 3 de la décentralisation, on constate que partout dans le monde, on parle de territorialisation. Hein, donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'ici au Sénégal, en voulant mettre en exergue des départements, on est carrément en porte-à-faux au niveau international? Oui, je pense que ça, c'est des réflexions qui sont ouvertes parce que, comme vous le dites, le Sénégal a essayé peut-être, de par ses spécificités, dans la trajectoire de l'évolution, je dis de l'évolution démocratique de ce pays, de voir en quoi on peut coller par rapport à son passé. Le Sénégal n'a pas voulu faire une rupture totale par rapport à son passé historique. Donc aujourd'hui, il s'agissait de revoir tout le cursus, du moins tout le parcours historique de la trajectoire de l'évolution démocratique du Sénégal et voir en quoi certains aspects pouvaient être relus, corrigés et porter des améliorations. En soi, l'acte 3 de la décentralisation présentement, je dis, qui est en gestation, n'est pas mauvais pour le pays. Mais il faudrait une meilleure appropriation de cet outil. Et au Sénégal, je pense que si on recense d'un point de vue, je dis, dispositif normatif, dispositif textuel, mais le Sénégal n'a rien à envier avec aucun pays du monde. Mais ce qui se passe au Sénégal, c'est l'appropriation de ce dispositif normatif, mais aussi l'application effective de ce dispositif normatif. Mais naturellement, si... Par exemple, on pense d'un point de vue macro, par exemple, il y a un brillant Sénégalais que nous tous connaissons, Cheikh Anta Diop, qui parlait des États-nés, du caractère non viable de nos États-nés et qui certainement prônait beaucoup plus une intégration avec un développement à grande échelle. Mais je pense que cela est une bonne théorie, mais il n'est pas exclu également que dans les espaces qui existent, s'il y a une interconnexion et une meilleure articulation, on peut produire les mêmes résultats.